tous les médias nous parlent de la montée des eaux. Ici, à Dunkerque, nous sommes concernés, voire menacés. Notre collège est en première ligne, alors ma classe de 4e 5 a décidé de ne plus nager en eau trouble et de se renseigner. Pourquoi et comment la goutte d'eau fait-elle maintenant déborder le vase ? Sans atmosphère, l'énergie solaire sera en grande partie renvoyée et la température moyenne de moins 18 degrés Celsius. Mais notre atmosphère capte une partie de l'énergie reçue, assurant une température moyenne de 15 degrés Celsius. De nos jours, les gaz libérés par l'activité humaine croissante amplifient ce phénomène, piégeant davantage d'énergie et favorisant le réchauffement climatique. Dans un récipient rempli d'eau, on place un morceau de glace représentant la banquise. Dans un autre, sur une roche, un glaçon symbolise un glacier. On élève la température ambiante. Nous constatons que le niveau de l'eau n'augmente qu'avec la fonte du glacier. L'élévation de la mer n'est donc pas due à la fonte de la banquise, mais celle des glaciers y concourt. Dans un ballon surmonté d'un tube et d'un thermomètre, on chauffe de l'eau. On remarque que le niveau de l'eau monte lorsque la température augmente. En effet, les molécules d'eau s'agitent, s'écartent pour occuper un plus grand volume. Ce phénomène, la dilatation, est la première cause actuelle de la montée des eaux. Que met en place la ville de Dunkerque pour ne pas rester le bec dans l'eau ? De l'eau a coulé sous les ponts, et pourtant, c'est aux archives de Dunkerque que nous avons trouvé un début de réponse. À Dunkerque, on vit sur un territoire particulier. On habite dans un polder. C'est des terrains qui sont inondables. Donc, il faut nous protéger de la mer et même rejeter l'eau de l'arrière-pays vers la mer. Entre les inondations volontaires pendant la guerre et celles dues à la tempête de 1953, le territoire a déjà subi de nombreux épisodes sous les eaux. À Dunkerque, c'est une augmentation donc depuis 1956 de 9 cm du niveau marin. D'ici 2100, on va aller vers le mètre. Donc on sait qu'on va avoir des soucis, qu'il faut s'adapter dès aujourd'hui. Le premier rempart, ce sont donc les dunes qui nous protègent, d'où l'intérêt vraiment de continuer à les préserver. La deuxième adaptation du territoire au changement climatique, ce sont les portes à la mer. Quand on est à marée haute, on ferme les portes à la mer pour empêcher la mer de rentrer dans les terres. Et on va attendre la marée basse pour ouvrir les portes à la mer et évacuer l'ensemble des eaux continentales pour éviter les inondations. Comment on fait pour se protéger ? On relève la digue. Et il fallait qu'on ait un muret de 60 cm pour nous protéger. C'est-à-dire que la mer, elle va venir frapper et elle va être éjectée vers l'extérieur. On a réensablé la plage. Et donc ça, c'est une deuxième solution. La mer, elle venait beaucoup plus près de la digue des Alliés. On a fait venir un gros bateau qui a été chercher le sable en mer et on l'a rejeté sur la plage. Quand on a une plage qui est plus haute, la mer monte moins vite. Quand on va prendre un mètre, on va avoir des soucis d'inondation. Alors pas par la mer, mais par les eaux continentales. Donc il va falloir actionner plus les stations de pompage, ou alors il va falloir trouver des endroits sur le territoire qu'on va devoir inonder volontairement. Voilà, c'est clair comme de l'eau de roche. À Dunkerque, nous vivons dans un polder, mais avec tous nos aménagements, nous sommes prêts à affronter un mètre de montée des eaux.